Zulag, apparemment, c'est une façon de dire étage. Donc, nous sommes au fameux deuxième étage et j'ai toujours mon anneau, c'est curieux. Alors, nous arrivons dans l'une des seules sections du jeu où le langage des Sligs va être utilisé. Alors, pas pour parler aux Slugs, mais pour des mots de passe. À la place des sifflements, les Sligs font ça. Vous les avez déjà entendus faire ça tout seul, là ils le font sous mon contrôle. Et ça sert à des mots de passe. Et c'est utilisé 2-3 fois dans ce jeu, ça allait beaucoup plus dans le jeu suivant. Ce que je vous expliquais, c'est que le directoire va prétendre qu'il y a 28 employés, ce qui, on l'a vu, est impossible. Mais en réalité, il en présente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je crois que à partir de maintenant, il n'y aura plus de passage secret. Dans le remake, il y a un passage secret à un endroit, et je vais vous montrer où il est. Je vais vous montrer où il est parce que les passages secrets du remake sont presque rigoureusement les mêmes que ceux du premier jeu. Et je crois qu'il n'y a que deux exceptions. La première exception est que quand vous êtes à Rupture Farms au début, si vous essayez de monter au deuxième étage dès le début, vous ne pouvez pas dans le premier jeu. Si vous essayez dans le deuxième jeu, vous pouvez toujours pas. Enfin, si vous essayez dans le remake, vous pouvez toujours pas. Mais en revanche, il y a deux ou trois Mudokons à délivrer à cet endroit, parce qu'il y a plus de Mudokons dans le remake. Et donc la deuxième exception, c'est celle que je vous montrerai après. Donc ici, le directeur nous dit qu'il y a combien de... Cinq. Je crois qu'on va devoir utiliser le pouvoir du Shrykul dans cette section. Donc on a quand même l'occasion d'en profiter un petit peu. Alors des fois ça fait venir un slip. Ah oui, dans le deuxième jeu, il y a aussi une gare et les étages s'appellent terminal. Ou terminaux du coup. Enfin, mais c'est terminal numéro 1, numéro 2, etc. Salut. Salut. Suis-moi. Ok. Suis-moi. Ok. Ouais, c'est la première fois qu'ils nous apprennent à nous servir du Shrykul parce que c'était un passage pseudo-secret tout à l'heure. Ok. Salut. Salut. Dis-moi. Ok. Alors, ce qui est étrange, c'est que ce directoire a été mis là par les industriels, pas par les naturels. Et qu'il nous montre quand même comment faire. Alors, dans le 2, il y a un directoire du même genre qui nous donne la même information, mais présenté sur le mode humoristique de « Il est interdit de faire ça, ça et ça pour devenir le Shrykul. » Et tout contrevenant sera sommairement exécuté ou comme ça. Voilà. Et j'ai failli me faire voir. Ouf. Je me suis un peu trop précipité. Les Sligs sont quand même moins réactifs que les Scrabs. Voilà.
Donc voilà pour les 5 de ce niveau. Alors là, c'est un peu pareil que dans les temples, c'est-à-dire que le but est de tirer ces leviers qui permettent l'ouverture de la grande porte. Mais par contre, on sort des sections par là où on est entré. Vous voyez, c'est devenu vert. Alors, faut faire attention. Alors, est-ce que c'est là qu'on va avoir besoin d'un slug? Oui, je suis pratiquement sûr que oui. Alors, à la place de la colère, les slugs peuvent dire attends. C'est wait. Et du coup, à la place de attends pour Abe, les slugs peuvent dire attaque. Get him. Voilà. Là, c'était essentiel parce que je peux, en tant que slug, je ne peux pas passer dans cette petite ouverture. Seul Abe le peut en roulade. Et les slugs le peuvent aussi. Ok, je vais regarder le directoire pour voir combien ils sont ici. Ils sont 2. Voilà. Faut que je me débarrasse du slip qui est de l'autre côté sur les camps suivants. Il faut que je le possède parce que il va y avoir un problème de slog après. Qui ne sort pas à l'infini. Et qui en donne l'impression, et donc du coup il faut tirer. Voilà. Vous avez vu tout à l'heure qu'on est passé dans un passage secret où il n'y avait pas de slog, alors qu'il y avait une niche. Je crois que c'est la seule exception de niche qui ne sert pas à faire sortir des slogs. Ok. Donc les deux mutocons. Et après, on pourra faire la troisième porte du deuxième étage. Ensuite, on passera au troisième étage. Salut, suis-moi. Ok. Ah, c'est bon. Il m'a suivi en courant, donc il est tombé. Ok. Salut, suis-moi. Ok. Hop, voilà. Donc si je me souviens bien, il y a 4 étages. C'est-à-dire que là, on est au deuxième, ensuite il y aura le troisième. Et puis après, il y aura le tout dernier qui contiendra cette fameuse salle du conseil. Avec plus que 18 000 euros. Alors, il y a une chose dont je vous ai pas encore parlé. J'espère avoir la possibilité de vous en parler là. Ce que j'aurais dû faire, c'est tirer ce levier. Parce que je crois ne pas l'avoir fait. Très mauvaise idée. Mais j'aurais dû le faire en tant que slick, je suis idiot. Bon, la chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que vous entendez cette musique qui joue. Vous avez peut-être remarqué que quand on possède un slug, la musique change.
avec Chucky, on avait déjà fait une référence à ça dans dans une de nos vidéos. C'est pour dire si je suis fan de ce jeu. Voilà. Vous voyez, la musique est différente. Ce sera le cas aussi dans l'Exode Dame. Oh non. Bon, j'ai fait les frais d'un bug du jeu qui est un petit peu... consternant. Il va falloir que je vois si c'est possible de rattraper le coup. Ouais, c'était possible de rattraper le coup. J'aurais sans doute aussi pu faire autrement, c'est-à-dire... C'est-à-dire détruire l'appareil anti-envoûtement et envoûter. Attends. Ok. Suis-moi. Ok. Ah non. Pas une bonne idée. Attends. Ok. Voilà. Suis-moi. Salut. Ah, il m'a oublié. Suis-moi. Ok. Attends. Ok. Salut. Salut. Salut, dis-moi. Ok. Allez, plus que 16, et je pense que ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais récupérer une 3 bombes à cette machine. Parce que 3 valent mieux qu'une. Et on va passer au troisième Zulag. Je suis même pas sûr que je puisse conserver les bombes d'un Zulag à l'autre. Parce que on peut conserver les bombes au sein d'un même niveau, d'une section à l'autre. Mais pour autant que je sache, on ne peut pas conserver les objets d'un niveau à l'autre. Donc si je me souviens bien à partir de maintenant, il y a 10 mudokons au troisième étage et 6 au quatrième étage. Nous allons voir. Il faut attendre qu'ils reviennent. Il ne reviendra pas. Comment je suis censé faire au juste? Je pense que je suis censé le réveiller là et que... Voilà. Il y a du mieux. Vous avez vu, la musique a changé. Voilà. Donc je vais pouvoir désactiver la barrière électrique qui se trouve à gauche grâce à ce levier. Et je vais regarder dans le directoire s'ils sont d'accord avec moi qui a dit employés. À cet étage,
Et 6 au dernier. Ils sont d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parfait. Donc je suis sûr de mon coup. On n'en a pas loupé. Voilà, les trois niveaux, enfin les trois sections du troisième étage, du troisième Zulag. Alors ça, c'est une section avec beaucoup de Mudokons. Ah ouais, j'ai conservé mes bombes, hein, comme je l'espérais. Voilà. Ah oui, je pourrais sortir tout de suite. Mais nous, on veut sauver les Mudokons. Ok. On s'occupera de lui plus tard. Pour l'instant, on va passer par là. Afin de libérer le passage là-bas et de récupérer le mont de charge. Alors, où sont les slicks déjà? En bas, parfait. Ouais, j'étais en train d'hésiter parce que je sais ce qui va se passer ensuite et que malheureusement on va pas pouvoir l'éviter. Ah, il m'a pas réveillé. Ouais, on va pas pouvoir l'éviter. Quand je tirerai ce levier, un slick va descendre. Et je ne peux rien y faire. Parce que le levier est de ce côté du... Voilà. Fort heureusement, il me dit de m'arrêter avant de me tirer dessus. Mais ça, des fois, ça dépend. Hein. J'ai l'impression que ça dépend de à quel point il est surpris. Vous avez remarqué que Abe a changé de rire depuis qu'il a ses pouvoirs spirituels? Ah. Il retourne. Avant, c'était plus un petit rire comme... Mais maintenant, il a gagné en assurance, donc c'est... Harry Potter is dead. Attends. Ok. Salut. 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 Suis-moi. Ok. Et en fait, je me demande si c'est une question de karma. C'est-à-dire que peut-être qu'à partir du moment où on a libéré assez de Mudokons pour être sûr d'avoir la bonne fin, et il fait le rire. Comme ça, parce que ça correspond effectivement au moment où. Où il libère plus de la moitié des Mudokons. Enfin, presque. En fait, il faudrait essayer de rigoler. Hein. Au moment où Abe va récupérer le pouvoir du Shrekul, hein, mais qu'il n'est pas encore retourné à Rupture Farm et n'a pas encore commencé à entreprendre de libérer le l'unique Mudokon situé derrière la barrière électrique. En parlant de pouvoir du Shrekul, donc là, c'est une section complètement facultative, hein, puisque j'ai déjà tiré le levier qui me permettra de... Oula. Je disais, j'ai déjà tiré le levier qui me permettra de sortir de cet étage. Oula. Allez, plus que 4 à cet étage. Il reste deux sections.
Donc je suppose 2 par section. Est-ce que ça correspond à ce qu'on avait vu Ah zut! Ouais, c'est des choses qui arrivent. Je suis désolé, je suis obligé de tout refaire. D'un autre côté, je vous prie de croire que c'est un petit peu compliqué, donc faut pas trop vous étonner si j'ai besoin de refaire des fois des trucs comme ça. Vous voyez, il y a un truc incohérent là-dedans, c'est que là, le rythme c'est ça, mais en bas c'est beaucoup plus rapide. Vous voyez, alors que pourtant c'est les mêmes carcasses. Curieux. Ah, décidément. Bon, ça me permet de vous parler un petit peu des autres jeux de la série. Le deuxième, l'Exode Deck, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un peu le même jeu avec des mécanismes de jeu supplémentaires, plus de créatures qu'on peut envoûter. Mais et 300 Mudokons au lieu de 99. Mais à part ça, c'est les mêmes mécanismes, c'est aussi en 2D, c'est les mêmes graphismes également. L'Odyssey and Munch, en revanche, c'est un peu différent. Déjà, on incarne 2 personnages entre lesquels on peut alterner. Abe et Munch. Le jeu était en 3D, ce qui signifie que la gestion des passages secrets est assez différente, puisqu'on ne peut pas faire des passages secrets cachés derrière de l'avant-plan quand on est en 3D. Donc il y a quelques passages secrets dans l'Odyssey and Munch, mais ils sont pas pareils, ils sont plus en hauteur ou des choses comme ça. Et l'Odyssey and Munch est plus facile en termes de savoir combien de créatures on a à sauver par niveau. Ce qu'il y a aussi avec l'Odyssey and Munch, c'est que il y a un peu moins de stratégie, il y a un peu plus de dextérité parce que les personnages ont plusieurs points de vie. Ce qui change considérablement la façon dont on gère les choses. Il y a aussi que la capacité spéciale de Munch est plus offensive que celle d'Ave. Il peut électrocuter les ennemis avec un implant sur sa tête. Tiens, j'avais pas fait ça. L'Exode Dave est considérablement plus long que l'Odyssey Dave. Déjà, il tient sur 2 CD. Il a un scénario plus complexe. Parce qu'il y a plus de péripéties et parce qu'on visite plus d'endroits. Et parce qu'il n'y a pas cette phase d'évasion dans la mesure où Abe est déjà libre au début, si vous voulez, c'est la suite du premier jeu. Donc la première mission est déjà une partie du scénario. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que on a déjà un objectif, et cet objectif fait partie du scénario, ça fait partie de l'intérêt. Là, il s'agit de s'enfuir, alors effectivement, il faut présenter l'univers, les personnages, la situation de départ. Et ça fait que du coup, toute cette phase d'évasion, c'est juste à s'échapper. Tandis que la première phase de l'Exode Dave correspond à l'un des maillons de l'intrigue globale, qui permet que cette intrigue globale soit plus cohésive et plus complexe, puisque amorcé dès le départ. Là, si vous voulez, ce que je veux dire par là, en fait, je vais le dire de manière plus simple. Là, on a 2 intrigues. On a l'intrigue Abe doit s'échapper et l'intrigue Abe doit revenir détruire l'usine. L'Exode d'Abe, c'est une seule grosse intrigue avec plusieurs péripéties, donc forcément, elle est plus complexe.
L'Odyssey Munch commence aussi par une phase d'évasion, mais comme il y a aussi la partie Abe, ça fait que l'intrigue a aussi une certaine complexité. Je crois que beaucoup de gens n'aiment pas l'Odyssey Munch. Et effectivement, il y a un petit changement de style entre les Abe et les jeux Abe et les jeux Munch. Mais Salut. Salut. Dis-moi. Ok. mais pas au point qu'on pourrait imaginer. Tut. Attends. Ok. C'est-à-dire que les spécificités de l'Odyssée et de l'Exode d'Abe, l'Odyssée de Munch les a peut-être perdues, mais les a remplacées par d'autres spécificités qui sont aussi appréciables. À mon avis. Hein. Malheureusement, j'aurais dû garder une bombe. Je vais me débarrasser du slick de cette façon. Non? D'accord. Oh, c'est triste. Si seulement j'avais gardé des bombes. Je suis idiot. Bon, c'est pas grave. Ah, maintenant j'ai des bons. Dis donc, je n'ai libéré qu'un seul Mudokon ici. Est-ce que c'est normal? Je vais pas m'embêter, je vais attendre qu'il se tourne et puis voilà. Alors j'espère que la troisième section contient 3 Mudokons. Malheureusement, il n'y a pas de directoire pour nous le dire. Lisez les directives et vous pourrez vous diriger dans la bonne direction. J'aurais peut-être pas dû gaspiller mes trucs à faire ça en fait. Bon. Je me souvenais plus très bien de la stratégie ici donc. C'est pas grave, hein, on va pas en mourir. Ah! Donc cette section comporte une deuxième sous-section et j'espère bien qu'il y aura deux Mudokons dans cette deuxième sous-section. C'est quand même bien liable. Donc les autres Mudokons ne peuvent pas faire de roulade. Donc il faut que je fasse ça. Allez. Plus que deux au troisième étage.
Alors, ça va me dire si j'ai fait n'importe quoi. Non, c'est bon, j'ai pas fait n'importe quoi, il en reste bien deux. Alors là, il va falloir faire attention parce que des slicks vont apparaître partout. Voilà, donc déjà. Voilà, donc déjà ça. Ensuite. Je sais qu'il y a d'autres slicks ailleurs et que c'est... Voilà. Voilà, ah oui. Bon, au pire, c'est juste long. Hein. Il est fastidieux. En fait, il se passe un certain temps entre le moment où les lucioles qui émanent d'Abe prennent possession du Slig et le moment où on peut effectivement le contrôler. Et les autres Sligs se servent de ce moment-là pour nous abattre sans qu'on puisse rien faire. Ah oui, je suis immobile. Vous voyez le changement de musique? Oh, quel imbécile! Vous avez compris la bêtise que j'ai faite? Je me suis suicidé. La bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai besoin d'un slick plus loin. Ok. On recommence. Voilà. On va essayer d'être un petit peu plus doué. Hein. Voilà. Il n'en reste qu'un. Ça me permettra... Bon après je me souviens à peu près bien, donc je vais tuer le slug, mais ne vous dites pas « Ah quel imbécile, si ça se trouve il en aura besoin », je sais que je n'en aurai pas besoin. Voilà. Et j'en ai pas eu besoin. Donc les deux derniers mudokons du troisième étage, du troisième Zulag. Et ensuite, il n'y aura plus que les six du quatrième. Et ce sera bon. Voilà. Ouais, il y a du backtracking. Dernier étage, c'est pas spécialement plus dur que qu'ailleurs. Il y a juste une section avec des slogs qui est un petit peu difficile. Il me reste deux bombes, donc à la limite, ça m'embête pas que le distributeur soit indisponible. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans le remake, il y a un passage secret qui se situe là-bas. Je vais vous montrer. Là, vous voyez ici. Dans le remake, il y a une corniche ici, qui est un passage secret.
Bon, déjà, on va commencer par la porte qui est ici. De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant, ça va se faire dans un ordre précis parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait finir le jeu sans passer par les deux premières portes. Ici, nous allons appeler un Slig. Donc, alors, vous voyez, il y a 5 Mudokons là où on est, et le tout dernier se situe dans un autre couloir. En fait, cette section toute verticale que vous voyez à droite, c'est la fin du jeu. Là, c'est l'endroit où ils élèvent les slogs, apparemment. Il était trop lent. Donc là, on peut avoir des sligues à volonté. Hein. Faut bien ça, hein, pour les... Alors, pas les 5 derniers Mudokons, mais les 5 derniers avant le tout dernier qui nous servira à gagner le pouvoir du Shrykul nécessaire à anéantir le conseil d'administration. Alors, faut bien faire attention là. Bon, et là, on peut pas aller plus loin. Ok, c'est déjà pas trop mal ce qu'on a fait. C'est quand même pas trop, ça va. Alors. Voilà. Donc. Les deux Mudokons qui sont ici, on va les libérer. Par là. Et ensuite, les trois derniers. Ils se situent à proximité des niches de slog. Voilà, je suis pas tout à fait au bout de mes peines en fait parce que... Voilà. Ça n'a pas marché. Raté. Je ne sais pas. Ah merde. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Merde. Non, j'ai quand même essayé de le faire exploser. J'ai hésité. Voilà, c'est bon. J'étais pas tout à fait sûr. Ok. Alors là, il va y avoir des slogs. Il va falloir que je me débarrasse. Voilà, il y en a un là. Et deux là. Thank you.
Non. Voilà. Alors, on va essayer de faire un truc un petit peu. J'aurais voulu qu'il me poursuive. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Ok. Je vais voir si je peux déjà libérer les Mudokons parce qu'ensuite il y aura le problème des slogs. Je sais plus tout à fait où se trouvent les. Voilà, ouais. Salut, salut, suis-moi. Ok. Voilà. Attends. Ok. Voilà. Les deux derniers, je vais les libérer. Et ensuite, il y aura le problème des stocks. Salut, salut, suis-moi. Ok. Ouais. Le dernier. Et ensuite, je m'occuperai de. Salut, suis-moi. Ok. D'ouvrir la porte. Et après, il y aura un petit peu de backtracking. Et on commence à être habitué. Allez, plus qu'un, c'est le dernier. Ok. Alors, il va falloir voir à pas se foirer. Voilà, c'est ça le piège. Je me demandais s'il y aurait encore un piège après, mais non, c'est bon. On touche plus à rien, on s'en va, on ne demande pas son reste. Et on retourne dans ce couloir infernal. On va essayer de se débarrasser du dernier Slig, mais au fond, c'est même pas nécessaire. Si on court suffisamment vite, je pense qu'on peut parfaitement atteindre cette porte. Encore que ce serait peut-être un peu dommage. On va essayer. Parfait. Alors ça va nous permettre d'accéder au distributeur de bombes, mais on va pas en avoir besoin. On va se retrouver dans une salle où il y a plein de bombes, et où il va surtout y avoir plein de slugs. La stratégie, je vous avoue que je sais pas trop ce qu'il faut faire. Juste se débrouiller pour essayer de survivre. Bon, tout à gauche, il y aura. Il y a une zone secrète avec un Mudokon qui nous permet d'avoir un anneau rouge. Mais franchement, ça sert à rien. Je vous jure.
est-ce qu'on peut... Non, ça marche pas. Je pense que j'ai pas fait comme il fallait. Et voilà. En fait, c'est bon. J'avais trouvé le moyen de couper toute l'énergie. Et je compris alors que tout serait bientôt fini. Bah ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus d'employés pour faire tourner l'usine. Dernière partie du jeu. Un compte à rebours. Moluc a vu ce que je faisais. Il était fou de rage. Il ordonna de tous nous tuer. Par tous, il veut dire nous deux, c'est-à-dire moi et le Mudokon qui reste. Alors là, il faut sauvegarder parce qu'on risque d'avoir le même bug que tout à l'heure. Bon, il y a un compte à rebours, mais franchement, on a le temps, hein. Dans le remake, il me semble qu'on a moins de temps. Enfin, on n'a pas moins de temps, mais c'est plus difficile d'y arriver dans les temps. Donc voilà, il faut passer par cet endroit un peu secret. Ce qui se passe si on laisse le compte à rebours arriver à zéro, c'est que... je me suis déconcentré. Ce qui se passe si on laisse le compte à rebours arriver jusqu'à zéro, c'est que la pièce se remplit de gaz et on asphyxie. Ce qui est étonnant, c'est que ce gaz n'épargne pas la salle du conseil. On le sait parce que si on arrive au bout du compte à rebours dans la salle du conseil elle-même après avoir tué le conseil d'administration, et bah, le gaz se déclenche quand même, donc ça veut dire que le reste du conseil d'administration serait mort quand même. Moluc ne fait pas partie des personnes présentes à la salle dans la salle du conseil. Il est tout à fait possible qu'il ait envisagé de se débarrasser de ses associés sans trop de considération. Alors voilà, le moment de vérité. Est-ce que l'anneau qui permet d'ouvrir la trappe apparaît? Alors vous voyez le dernier Mudokon? Oui, il est là. Parce qu'il arrive qu'il ne soit pas là, cet anneau. Celui qui se trouve au-dessus de moi, là. Et dans ces cas-là, on est fait comme un rat. Tac, tic, tac, tac. Tac, 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 tac. Salut, salut, dis-moi. Ok. Gardez d'air. Alors, peut-on envoûter les glucons dans ce jeu? C'est une grande question. On peut pas le savoir. Il y a trop de slips pour essayer de faire ça sans le pouvoir du Shrek. Et voilà, appui conseil d'administration. Donc là, vous voyez, il me reste juste à tirer sur ce levier pour déclencher la coupure du gaz. Vous vous souvenez de la cinématique de début? Dans la cinématique de début, on est pendu par les mains, on est prisonnier de Moluc. Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Ok. Oui, c'est vrai. J'ai sauvé les Mudokons. Mais qui va me sauver maintenant? Car je suis face à face avec Moluc le Glucon. Moluc sucks. Et là, c'est là que se décide si on a la bonne fin ou la mauvaise fin.
Vous allez voir que c'est pas que les Glucons peuvent rien faire de leurs mains. C'est qu'en fait, ils marchent sur leurs mains. Comment se sont-ils débrouillés pour avoir des scrabs et des paramètres qui ne les attaquent pas? Ça, c'est une grande question. Et surtout pour avoir deux scrabs l'un à côté d'autre qui ne s'attaquent pas à vue. Visage a le même les mêmes couleurs que Abe. Voilà, ça c'est la récompense qu'on gagne quand on a sauvé tous les Mudokons plutôt que simplement la majorité, hein. C'est-à-dire des crédits de fin qui sont un peu différents et surtout la possibilité de regarder toutes les cinématiques. Donc évidemment celle que je vais vous montrer, c'est celle que vous n'avez pas vue, à savoir la mauvaise fin. Donc voilà ce qui se passe quand on a tué trop de Mudokons ou sauvé pas assez de Mudokons. Mais c'est Abe qui nous a tués. Vous l'avez vu. Il n'a rien fait. Mais Abe est l'un des nôtres. C'était pas un copain. C'était vraiment pas. C'est un tueur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était un os. Et toi, qu'en penses-tu? Je m'en fiche. Non, boss. Non, guys, non, non. Non. Ah. Let him. Et il y a également une espèce de cinématique qu'on sait pas trop à quoi ça correspond. Apparemment, ça correspond au moment où Abe est prisonnier de Moluc avant que Moluc vienne le voir. Just because life is doomed and everyone wants to eat you. Doesn't mean there's no hope. You need to look within if you wanna be free. Je suppose que ça servait aussi de bande-annonce pour le jeu, mais bon, je ne l'ai jamais vu. Donc voilà, c'était Odyssey d'Abe, hein. C'est un jeu que j'aime beaucoup et que je suis heureux d'avoir pu vous faire découvrir. C'est le plus court des jeux de la quintologie Oddworld. Les jeux Oddworld, en fait, il y a eu ceux de la quintologie, donc l'Odyssée d'Abe et l'Exode d'Abe qui font partie du cycle Abe, l'Odyssée de Munch qui fait partie du cycle Munch, des jeux sur Game Boy qui reprennent ces différents jeux. La troisième série de la quintologie aurait dû être centrée sur un autre héros qui devait s'appeler Squeak, pour un premier jeu qui allait logiquement s'intituler l'Odyssée de Squeak. Je suppose que le principe allait être le même que l'Odyssée de Munch, c'est-à-dire que... on aurait non seulement Squeak à contrôler, mais également Abe et Munch, du coup. Donc voilà. Les studios Oddworld Inhabitants ont également sorti un autre jeu qui s'intitule La Fureur de l'étranger, qui ne fait pas partie de la quintologie Oddworld, qui est un jeu un peu hors série, et apparemment, effectivement, au moment où ils se sont rendus compte, enfin c'est comme ça que j'interprète, mais au moment où ils se sont rendus compte qu'ils ne feraient pas une quintologie complète, parce que le studio n'avait pas forcément l'argent pour et tout ça, ils sont décidés à faire plutôt des jeux hors série, donc comme La Fureur de l'étranger ou un autre jeu qui devait être centré sur un autre personnage qui devait s'appeler Fangus, mais qui n'a jamais vu le jour. Qui sont des jeux assez différents, avec des personnages qui sont... ou au moins des espèces qui sont communes à la quintologie et à ces jeux hors série, mais qui globalement n'ont pas grand-chose à voir. La Fureur de l'étranger... c'est un jeu sympa, mais qui est complètement différent des jeux de la quintologie. L'Exode d'Abe et l'Odyssée de Munch sont considérablement plus longs que l'Odyssée d'Abe. Donc je l'ai dit, l'Exode d'Abe tient sur deux CD, l'Odyssée de Munch non, mais d'un autre côté l'Odyssée de Munch était sur Xbox. Pour autant, l'Exode d'Abe comme l'Odyssée de Munch sont plus faciles que l'Odyssée d'Abe. L'Exode d'Abe simplement parce qu'on peut parler à plusieurs Mudokons à la fois et surtout parce qu'on peut sauvegarder quand on veut, on peut faire des quick saves. Et l'Odyssey de Munch est plus simple parce que les personnages ont plus d'un point de vie et que ça donne une flexibilité supplémentaire aux stratégies qu'on peut adopter pour
résoudre les problèmes. Les jeux Oddworld, qu'ils soient de la quintologie ou hors-série, se veulent, vous l'aurez sans doute compris, être une critique de la société de consommation, du capitalisme, du profit pour le profit, sans considération ni pour la nature, ni pour le bien-être des hommes et des animaux, enfin, toutes ces choses-là. C'est également un tract en faveur de l'écologie. C'est assez discret dans cet opus qui est le premier. Ça l'est beaucoup moins dans l'Odyssey de Munch en particulier, mais ça l'est moins aussi dans l'Exode Dave. En tout cas, les manuels des jeux contiennent des propos qui vont un peu dans ce sens-là. Ce qui est amusant là-dedans, c'est que Lorne Lanning, le créateur des jeux Oddworld, a été interviewé il y a quelques années au moment de la sortie de La Fureur de l'étranger dans un magazine, je ne sais plus lequel. On l'avait effectivement questionné à ce sujet, au sujet du côté un peu militant de ces jeux. Il avait un peu expliqué quelles étaient les différentes thématiques abordées, les idées défendues dans ces jeux, tout ça. Le journaliste qui l'interviewait lui a fait remarquer que, dit comme ça, ça avait l'air vachement barbant. Lorne Lanning a simplement répondu que c'était une raison supplémentaire de jouer au jeu plutôt que de l'écouter en parler. Au sujet du bug auquel on a dû faire face tout à l'heure avec l'anneau à attraper qui n'apparaissait pas, il semblerait, si on recoupe les différents témoignages sur Internet, qu'en fait, il soit complètement impossible de finir le jeu d'une traite. Si vous voulez, là, je l'ai fait d'une traite et j'ai eu le bug au niveau du passage secret. Mais si je ne l'avais pas eu au niveau du passage secret, je l'aurais sûrement eu au niveau de la salle du conseil, ou plus exactement, je ne m'étais pas préoccupé du passage secret et que j'étais arrivé jusqu'à la salle du conseil, non seulement il m'aurait manqué de Mudokon, mais en plus je n'aurais pas pu activer l'anneau qui me permettait de tomber dans la salle du conseil. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu accomplir la dernière action avant la fin du jeu, et ça signifie, si c'est vrai, que c'est un jeu qu'on ne peut pas finir d'une traite. Il faut impérativement sauvegarder à un moment donné et recharger la partie. Je ne sais pas s'il est nécessaire de le faire à un moment particulier ou s'il faut juste l'avoir fait une fois pour que ce bug des anneaux ne se produise pas. Mais en tout cas, il faut recharger la partie. Alors, peut-être que ça fonctionne aussi avec les mots de passe qu'il nous donne au niveau du menu pause. Mais si ce n'est pas le cas, ça signifie que c'est un jeu qu'on est obligé d'avoir avec une carte mémoire. Ce qui est un petit peu scandaleux. Alors, effectivement, le manuel du jeu précise que c'est un jeu qu'on ne peut pas finir d'une traite. Enfin, ils ne précisent pas que par là, ils veulent dire qu'il y a un bug rédhibitoire pour ça, mais ils disent que c'est un jeu relativement long et relativement compliqué, ce qui est vrai en particulier quand on le découvre. Et que donc, il est illusoire de vouloir le finir d'une traite en le découvrant du premier coup. Et donc, qu'il conseille vivement de sauvegarder la partie et d'avoir une carte mémoire. C'est dans les considérations générales du manuel, à peu près au même niveau que ces histoires de si c'est le premier jeu de PlayStation auquel vous jouez, c'est même pas la peine d'y penser, essayez plutôt un autre jeu. Mais bon, je trouve quand même ça un petit peu... un petit peu choquant. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous en janvier pour notre prochaine vidéo à Chucky et à moi sur les dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne.